Donc voilà, notre atelier autour de l'ikigai touche à sa fin. Donc j'aimerais bien avoir vos retours, vos feedbacks, les axes d'amélioration pour mon atelier. Vous partez avec quoi? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même? Donc dites-moi tout. Bon, ben je prends la parole. Oui, Eve, vas-y. Alors d'abord, un grand merci à Anan. C'est vraiment T'en très, très prie. riche. Vraiment très riche. Autant la partie préparation, j'ai beaucoup aimé le partage du fichier en amont. Alors, peut-être le transmettre un peu plus tôt, quelques jours avant, parce qu'effectivement... 2 jours avant, c'était peut-être un peu juste, en tout cas peut-être pour moi, parce que... Et d'autant que dans les consignes, finalement, je me suis rendu compte que je l'ai un peu survolé, ce premier cercle, et ça m'a un petit peu, du coup, gênée pour bien approfondir durant l'atelier le travail qu'on a fait. Ça, c'est un C'est petit pour peu, ça voilà, que j'ai un je petit dis peu qu'il faut choqué. s'inscrire en avance pour avoir plus de temps. Bien vu, bien vu. J'avais pas vu passer celui-là. Mais donc voilà. Donc, franchement, très très intéressant. En plus, j'ai compris l'utilité de l'ikigai, moi personnellement, qui est vraiment une photographie à un instant T. Il faut vraiment se poser et quelque part, je me pose la question s'il faut le faire soi-même ou faire en mode auto-coaching, ou est-ce qu'avec peut-être un partenaire pour nous aider à creuser un peu plus nos propres filtres, parce que c'est pas évident d'aller faire le pas de côté pour aller creuser quand on est face à soi-même. Donc ça, c'est d'ailleurs c'est une question du coup que je t'adresse, Anan. Qu'est-ce que tu nous Oui, conseilles? moi, comme j'ai partagé avec vous tout à l'heure, je le fais, donc cet atelier qui est destiné au coach, et je fais également des ateliers destinés au non-coach, et je le fais aussi en accompagnement de 10 séances pour vraiment, comme tu viens de le dire, travailler et creuser profondément en individuel pendant 10 séances qui prennent en moyenne entre 2 et 3 mois avec Oui, l'outil ben, Iki. ça ne m'étonne pas, parce qu'en fait, ça paraît très simple comme ça, mais on n'est pas du tout, c'est très profond. On va vraiment chercher, ne serait-ce qu'en termes de reformulation, on a des mots valises pour des contextes qui peuvent paraître différents, mais qu'en fait, qui sont synchrones, et c'est aider à faire émerger ces liens-là, et si on ne les a pas, ben, on ne peut pas trop avancer, en fait. Voilà, donc, super intéressant. Et c'est un formidable outil. Voilà, je te Et remercie qu'est-ce pour que tu as appris sur toi, l'atelier d'aujourd'hui? Que j'étais sur le bon chemin, que je suis bien à ma place. Voilà. Bah, super. Que ça répond aussi à mon besoin de, même si j'ai à peine touché du doigt ce soir, d'aller justement chercher cette fameuse singularité, ce qui me différencie des autres et mettre en avant. C'est, on va dire, ce talent que il y a le coaching, oui, il y a qui je suis. Voilà, et ça aide vraiment à, par rapport à d'autres ateliers sur la mission, la vision, tout ça, où j'aurais pu me sentir un petit peu, pas en désaccord, mais plus en questionnement, je me sens davantage, comment dire, en équilibre avec moi-même, en harmonie avec moi-même. Voilà, c'est ça la grande force, je trouve, de cet outil-là. Et donc voilà, donc et je commence à toucher du doigt ben, certaines de mes qualités que j'ai, de personnes qui vont pouvoir m'aider à faire une offre spécifique. Et c'est ce que j'étais venue chercher avec ce soir dans ton atelier. Donc, merci. À creuser, à retravailler, mais À creuser. voilà. Mais en tout cas, voilà, je l'intègre dans ma routine. Ben, je suis Voilà. contente pour toi. Merci Bonne beaucoup, continuation. Anne. Je t'en prie, je t'en prie. Qui d'autre qui veut partager avec nous? C'est vous, voilà. Ok, merci de l'Hanan. T'en Ouais, prie. moi, c'est un très bon atelier et très utile. Et en plus de ta façon de nous encadrer, je me sens comme si c'était une séance de coaching. C'est vraiment la coaching. Et des questions profondes. Et l'outil nécessite beaucoup de creuse. Donc, il fallait y revenir, répéter, répéter, répéter jusqu'à arriver, bien sûr, à mon Ikigai. Donc, je vous remercie beaucoup, Madame Hadam.
الله يعطيك الصحة، اوكي الله je t'en يخليك لينا، prie بارك بارك الله فيك، الله شكرا بزاف. يحفظك الله يحفظك الله تبارك الله يخليك، عليك je بارك t'en الله prie فيك، je الله t'en يخليك prie لنا تاع الحياة، مولاي et بارك bonne الله فيك. continuation dans tout ce que tu شكرا fais شكرا je t'en بزاف، prie شكرا. qui d'autre oui Khadija Alors, merci beaucoup. je t'en prie Peut-être que j'ai peut-être appris à aller voir les choses plus profondément, répondre à des contradictions qu'on a en nous-mêmes, parce qu'on aime ça, mais on n'aime pas beaucoup ça, mais on s'ennuie malgré le fait qu'on aime, et tout ça fait que on tourne autour du pot, on tourne autour de la question, on trouve pas la solution, on trouve pas la réponse, et c'est quand même difficile. Et là, ce que j'ai franchement, ce que j'ai vraiment appris aujourd'hui, et vous l'avez dit dès le début, reformuler autrement. Il faut que j'apprenne à reformuler autrement, ça c'est certain. Yes. Mais reformuler autrement, maintenant je vais aller chercher comment. Mais je sens que c'est du profond. Et le mettre sur des cercles comme ça, c'est clair, c'est net, c'est mis sur du papier, ou bien. C'est pour ça que la dernière partie, je n'ai pas beaucoup voulu la faire parce que je voulais que ça soit. Je voulais qu'elle À soit tête propre, reposée. à tête reposée. Je voulais la faire à tête reposée. Et c'est vraiment du réintrospection de nous-mêmes, d'aller voir de l'honnêteté, de l'authenticité de nous-mêmes, aller chercher notre honnêteté, notre authenticité. Et merci beaucoup, merci beaucoup. J'espère que Je t'en prie. je me suis bien exprimée parce que c'est très profond, c'est intense. Je Voilà. t'en prie, je t'en prie. Je te souhaite bonne Merci. continuation dans tout ce que Merci tu fais. beaucoup. Merci beaucoup. Et Khadija, qui d'autre qui veut partager avec nous? Qu'est-ce que vous avez appris de cet atelier? Vous partez avec quoi? Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous-même? Je prends la parole. Oui, Merci merci. Hanan déjà pour l'atelier. C'était Je t'en excellent. prie. Merci beaucoup sur ta façon de faire, sur le fait d'aller par pas et nous challenger par rapport aux réponses. Alors moi, je pars avec deux choses. Désolée pour le son à côté. Je pars avec deux choses. C'est d'abord la question de pourquoi tu aimes ce que tu aimes. Ça m'a touchée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter de poser le pourquoi du pourquoi. Ah. Alors, j'ai parlé Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que, voilà, ce n'est pas pour rien qu'on dit que le questionnement est l'outil du coach. Donc, il faut pas hésiter à aller plus loin dans les questions. ouais. Parce que moi, j'ai toujours pensé que la liberté, c'était la fin de la réponse. J'aime la liberté, mais non, c'est que le début d'autre chose. Donc, je vais creuser ça. Et le petit cadeau de l'étoile que j'adore. Surtout quand tu as parlé de l'appliquer avec les enfants, j'hésiterai pas à le faire avec mes enfants. Donc voilà, merci beaucoup pour le contenu topissime. Là, je t'en prie, c'est une bonne continuation, toi aussi. Qui Merci. d'autre? La mienne et Ilham, vous avez envie de partager? Oui, la mienne. Alors pour moi, ça me parle beaucoup parce que ça fait un moment que je cherche à faire une introspection. Je savais pas comment y faire. Ça a commencé avec l'énéagramme et ça m'a aidé. Et là, je compte vraiment refaire l'exercice. C'est intéressant et de s'approfondir. Oui, Merci n'hésitez pas à beaucoup. le refaire. Yalla Hanan, merci beaucoup. Je t'en prie, les miens. Bonne continuation à toi aussi. Merci à vous. Ilham, tu as envie de partager avec nous, Ilham? Allô? Oui. Oui, Ilham. Alors, je te remercie pour l'initiative de ce que tu as créé Je comme t'en groupe prie. d'abord. Je Tous t'en les prie, groupes que Ilham. tu as créés, toutes les actions que tu lances, que tu fais, tu es un cadeau en ce 2023, début 2024. Donc l'équipe a aussi, moi j'ai une expérience avec depuis des années avec mes filles qui n'arrivent pas à choisir ce qu'elles veulent faire dans la vie, qui ont mal choisi ce qu'elles ont finalement fait, comme moi d'ailleurs.
et on a tourné autour. Et on y revient, comme quoi la vie, elle va nous servir, nous continuer à nous donner, à nous amener là où il faut. Donc ça, je devais le faire il y a des années et je le fais maintenant. Merci, Hanan. Non, il sera bon courage. Merci beaucoup. Et j'ai trouvé que c'est un chantier. C'est pas que de l'intro. Prospection pour se connaître un peu plus, pour se recentrer, se positionner dans sa vie, dans ses choix et tout. Mais je trouve aussi que c'est un outil de libération de beaucoup de fausses croyances. À force de poser des questions, on va trouver des fausses croyances et on va pouvoir les remplacer par les justes. Et dans tout ça, je me dis, en me posant les questions de est-ce que ça me fait plaisir, est-ce que ça me convient? Est-ce que je vais juste toujours rester dans ce moi, cette personne, la petite personne que je suis, ou je vais devoir me poser la question un peu plus grande et l'élargir un peu plus pour dire, Me challenger. mais quelle est la vérité? Quelle est la vérité divine que je dois choisir dans ces choix-là? Et donc, est-ce que moi, je vais pouvoir avoir le courage et l'audace et la force de la choisir et de m'aligner avec? Et voilà, tout ça, c'est une question de sens. Dans cette question de questionnement pour être, pour vivre avec sens, je me dis quelle empreinte on va laisser dans le monde, comme tu le fais toi merveilleusement, bien merci. Et donc, ça ramène aussi comme quoi, dans cette étude d'Ikigai, il y a ce côté qu'on va choisir d'activité, on va dire professionnelle, pour un positionnement, mais ça va servir pour plein d'autres angles de la vie Oui, et ça touche plusieurs domaines. à faire plusieurs choses dans la vie. Pour passer, voilà. Et même, je manque maintenant, je fais ça pendant un an, peut-être 6 mois, pendant 2 ans, peut-être que je vais cho choisir aussi d'évoluer pour aller vers, avec la maturité et Oui, la c'est ça, c'est jeunesse pour ça que et j'ai la dit tout à joie l'heure d'être. que c'est à l'instant T et il faut bien le préciser et que ça ne se termine jamais, que c'est pas fini, c'est pas fait à la fois et c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose, comme quoi qu'on progresse, qu'on s'améliore, qu'on continue d'avancer et que ça ne se termine jamais. Le travail sur soi, c'est toute une vie. C'est ce qui fait la beauté de la chose, qu'on a toujours de l'espoir. Que ça peut changer, que ça peut aller mieux et que ça va aller beaucoup mieux. Merci beaucoup. Merci, Ilham. Je te souhaite bonne continuation dans tout ce que tu fais. Est-ce que j'ai raté quelque chose parmi les formations que tu lances ou tu peux me le rappeler pour quand on se pose des questions maintenant pour travailler son ikigai à chaque fois pour changer de perception, pour être dans l'alignement à la vérité divine, encore sortir du soi pour être dans le grand être que nous sommes, le grand soi. Est-ce que tu as fait un truc que tu peux nous renvoyer pour le voir, le revisionner? Ben oui, je verrai. Si jamais je trouve quelque chose, je n'hésiterai pas à partager avec vous. C'est avec grand plaisir. C'est avec Oui. grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Merci. Ilham. Merci Merci. à tous les Merci. participants. Merci. Merci. Merci vraiment. Moi, j'apprends à chaque fois. J'apprends, je sors avec beaucoup d'apprentissage dans chaque atelier. Sachez bien que j'apprends aussi avec vous et j'apprécie énormément ce que vous avez partagé. Merci pour votre confiance et également pour tout ce que vous avez partagé. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de joie et de bonheur surtout. Soyez joyeux malgré toutes les conditions. Malgré tout, gardez la joie en tête. Allez, je vous dis à bientôt prochainement pour un nouvel atelier. Au revoir, Merci. Nan. Au revoir à tous. Bonne Merci. soirée. Merci. Bonne soirée à tous.